C'est une joie d'être ensemble, c'est aussi une joie de vous accueillir et de vous rencontrer. Alors avant d'aller plus en avant dans notre culte, je vous rappelle la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que nous soyons, pauvres ou riches, jeunes ou vieux, malades ou bien portants, tristes ou joyeux, la grâce, la miséricorde et la paix nous sont données à chacun et chacune de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur et Frère. Le Seigneur est présent parmi nous. Il nous appelle, il nous rassemble et il nous unit. Alors approchons-nous de lui par le chant, comme une prière. Je vous invite à la lecture du psaume 138, le psaume de David. Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur. Devant les puissances des cieux, je te célébrerai par mes chants et je m'inclinerai devant le temple qui est le tien. Je louerai ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité, car tu as fait plus que tenir ta promesse, plus que ce que l'on attendait de toi. Quand je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as rempli de courage et de force. Seigneur, tous les rois de la terre te loueront quand ils auront entendu ce que tu dis. Ils célébreront tes actions en chantant « La gloire du Seigneur est immense ». Si haut que soit le Seigneur, il voit les personnes qui sont humbles. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au cœur de la détresse, tu me rendras la vie malgré la colère de mes ennemis. Tu étendras la main et ta main droite me sauvera. « Seigneur, tu fais tout pour moi. Toi dont l'amour dure toujours, n'abandonne pas maintenant ceux que tu as créés de tes propres mains. » Et je vous invite à poursuivre notre louange par le chant, par deux chants. Ce chant-ci, pour la petite anecdote, je l'ai appris ici, il y a une petite trentaine d'années quand même. Je veux le louer, il est le meilleur jamais.
Seigneur, nous nous battons souvent avec les voix au fond de nous qui nous disent que nous ne sommes pas assez ceci ou pas assez cela. Tous ces mensonges qui tentent de nous faire croire que nous ne serons jamais à la hauteur. Nous avons tendance à croire que ce sont seulement nos réussites et nos échecs qui nous définissent dans la vie. Et pourtant, toi, tu dis que nous sommes aimés alors que nous ne ressentons rien. Tu dis que nous sommes forts quand nous pensons être faibles. Tu dis que tu nous retiens quand nous nous sentons tombés. Et quand nous pensons ne pas avoir de place ou pas d'intérêt, tu dis que nous t'appartenons. Et nous, nous croyons ce que tu nous dis. En fait, la seule chose qui compte, c'est tout ce que tu penses de nous. Car en toi, nous découvrons que nous avons de la valeur et tu nous donnes une identité. Nous voulons ce matin déposer à tes pieds tout ce que nous avons. Nous te présentons nos échecs, nos peines, car nous savons que toi seul auras la victoire. Yeah.
Le Seigneur a dit à ses apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Cette paix, la sienne, n'est pas celle du monde. Elle n'est pas dans l'ordre lorsque l'ordre écrase. Elle n'est pas dans le silence lorsque le silence naît de la répression. Elle n'est pas dans la résignation, car la résignation est indigne de l'homme. Sa paix, c'est l'amour pour tous, c'est la justice pour tous, c'est la vérité pour tous. Il nous donne sa paix. C'est à nous de la donner au monde. Nous croyons en Dieu, qui nous appelle à œuvrer à ses côtés, en vue de maintenir le monde et de le faire chaque jour nouveau. Nous croyons que Christ est venu pour aider tout être à porter sa souffrance et lui indiquer le chemin de la vie et de la joie. Il est à nos côtés, que nous soyons ou non capables de le reconnaître. Il nous a donné son esprit qui nous ressource et nous appelle, afin que nous ne restions pas au dehors, mais que nous puissions contempler sa gloire. Nous croyons que Dieu nous appelle à former un peuple nouveau et qu'il nous conduira jusqu'à ce matin éternel où nous saurons reconnaître en tout visage son visage, en tout être et en tout regard l'image de sa divinité. C'est en lui et en lui seul que nous plaçons notre foi, car c'est lui et lui seul qui peut nous conduire à la vie. Je vous invite à la lecture de la Bible pour ce matin. Trois passages. On va commencer par le passage dans Ésaïe, au chapitre 40, versets 1 à 5 et 9 à 11. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que son combat est terminé, qu'elle s'est acquittée de sa faute, qu'elle a déjà reçu du Seigneur le double de ce qu'elle méritait pour tous ses péchés. Qu'elle crie dans le désert, « Frayez le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire du Seigneur se dévoilera et tous la verront ensemble. » C'est la bouche du Seigneur qui parle. Monte sur une haute montagne, Sion, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève ta voix avec force, Jérusalem, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, votre Dieu est là. Le Seigneur Dieu vient avec force. Son bras lui assure la domination. Il a avec lui son salaire, sa rétribution le précède. Comme un berger, il fera paître son troupeau, et de son bras, il rassemblera des agneaux et les portera sur son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Une seconde lecture dans le livre de Tite, au chapitre 2, les versets 11 à 14, et ensuite
le chapitre 3, les versets 4 à 7. Car elle s'est manifestée, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains. Elle nous apprend à renier l'impiété et les désirs de ce monde et à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous rédimer de tout mal et de purifier un peuple qui soit son bien propre et qui se passionne pour les belles œuvres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les humains se sont manifestés, non pas parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre compassion, il nous a sauvés par le bain de la bonne naissance, de la nouvelle naissance et du renouvellement procédant de l'Esprit Saint. Il a répandu sur nous largement par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Une troisième lecture dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, versets 19 à 28. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Et toi, qui es-tu ? » Il le reconnut et il ne le nia pas. Il reconnut « Moi, je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent « Mais alors quoi ? Es-tu Élie ? » Il dit « Je ne le suis pas. » « Est-ce toi qui es le prophète ? » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Mais qui es-tu ? » Que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? » Et il dit « Moi, je suis celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. » Ceux qui avaient été envoyés de chez les pharisiens lui demandèrent « Pourquoi donc baptises-tu ? Si toi, tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète. » Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau, au milieu de vous. Il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient derrière moi. Moi, je ne suis même pas digne de délier la lanière de sa sandale. » Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptisait. À la prière, avant de laisser la place à Georges et de couper mon micro. Toi qui nous donnes la paix et la joie, par Jésus le Christ, nous te bénissons et nous te louons car tu es proche de nous. Malgré notre tâtonnement et notre endurcissement, donne-nous au sein de ce monde que tu aimes de vivre chaque jour l'aujourd'hui de ta présence. Que ta parole agissant en nous ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir suscité la justice et la compréhension, la paix et la joie de ton royaume. Amen. Amen. Voilà, bonjour à chacune et à chacun, à ceux que j'ai vus, à ceux que je n'ai pas encore vus. Il est vrai que quand on ouvre la Bible, c'est pour entendre une parole qui relève, qui guérit. Une parole qui nous attire vers le haut. On a déjà assez de nouvelles tout au long d'une semaine, assez de coups sur la tête, assez d'épreuves à traverser, sans encore en recevoir à l'Église, il me semble, enfin. Et comme le livre que nous lisons en premier, l'Évangile et toute l'Écriture, est une bonne nouvelle, à nous de trouver dans cette bonne nouvelle ce qui va nous mettre debout, ce qui va nous guérir ou continuer à nous guérir, parce que le chemin de la guérison est long. Nous avons entendu dans une prière ce matin, il y a tellement de voix en nous, il y a tellement de voix dans notre être intérieur
qui sont contraires, qui se disputent, qui nous disent que nous ne sommes pas assez ceci et pas encore assez cela, pour trouver dans l'Écriture, dans chaque texte, même les plus difficiles, un texte, une ligne, une veine qui va nous donner plus de vie, plus d'envie de vivre, de nous engager et d'être cette personne-là que le Seigneur nous appelle tout simplement à être à partir de ce que nous sommes, pas de ce que nous rêvons, mais de ce que nous sommes profondément. On a lu le texte d'Ésaïe 40 qui nous dit que le Seigneur nous donne le double de nos péchés. Alors, pas le double pour nous punir, mais le double en grâce, le double en amour. Et dans Ésaïe 60, texte que nous n'avons pas lu, mais qui répond à Ésaïe 40, il y a ce beau texte « Lève-toi, brille, car ta lumière paraît, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Sur toi, le Seigneur se lève, sur toi, sa gloire paraît. C'est le Saint d'Israël qui te fait resplendir. Et je pense que voilà la parole de Dieu. Hein? La parole de Dieu qui nous regarde toutes et tous, qui voit ce qu'il y a au fond de notre cœur, qui voit qui nous sommes et qui nous dit « Mais resplendis, je te fais resplendir. » C'est moi, le Saint d'Israël, qui te fait resplendir. Debout Jérusalem brille de mille feux. Et c'est avec ce texte que je commence aujourd'hui notre petit tour de ces textes que nous avons lus. Et c'est avec ce texte que un nouveau mois commence dans cette nouvelle année. Et pourquoi pas prendre ces textes comme des textes qui nous donnent un avenir, qui nous donnent des objectifs dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans notre vie communautaire, peu importe, tous ces différents éclats de vie qui font notre vie. L'épître de Tite, dont nous avons lu quelques versets, ne dit pas le contraire. Il nous dit que Dieu donne aux humains très généreusement la grâce de Dieu qui s'est manifestée. C'est comme ça que le texte commence, le texte de Tite, de l'épître à Tite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes, nous racheter de toutes nos fautes et nous purifier, faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Il n'y a pas l'ombre d'une hésitation, il n'y a pas l'ombre d'un coup sur la tête pour l'un ou l'autre, c'est ça que Dieu a pour nous. C'est ça que Dieu envisage pour nous. Nous sommes habités par tout cela et quelque part, c'est un mystère. Ça ne vient pas de notre connaissance, ça ne vient pas de nous, ce n'est pas produit par nous. Le texte biblique nous dit que c'est l'Éternel, le Saint d'Israël, qui nous le donne. C'est l'Éternel, le Saint d'Israël, qui reflète ça sur nous. Nous n'avons pas quelque chose à faire. Nous n'avons pas quelque chose à mériter. Nous avons tout simplement être brillants, mais pas de nous, pas par nous, mais par lui qui nous regarde. Vous allez briller de mille feux, c'est le mystère de la grâce. Et le texte, ces textes d'Ésaïe que nous venons de lire, nous le promettent et nous donnent de vivre cela dans une attente heureuse,
une attente pleine et imprégnée de notre grand oui à Dieu. Dire oui à Dieu, c'est lui permettre de briller comme cela. Le troisième texte, celui de Jean 1, nous dit que ça reste un mystère quand même. Et donc, s'il y a la lumière, s'il y a la luminosité, s'il y a l'ouverture, et nous y reviendrons encore dans quelques instants, s'il y a l'ouverture au monde, eh bien, il reste toujours, nous devons rester toujours curieux. Curieux dans notre foi, curieux dans notre vie, parce que, dit Jean en une phrase assez énigmatique, mais elle est magnifique, il se tient au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il se tient au milieu de vous, et bien sûr c'est le Christ. Le Christ qui est au milieu de vous, dit Jean, vous ne le connaissez pas. Et le texte est bien construit parce que il nous dit, Jean est en quelque sorte interrogé pour savoir, tiens, est-il le Messie ? Est-il Élie ? Est-il un prophète ? Vous savez, on a nos calibres comme ça. Est-ce qu'il correspond ? À quoi il correspond, ce Messie ? Et Jean va dire d'abord de lui qu'il ne correspond à rien. Il n'est pas dans tous ses grands noms, il n'est pas dans ce qu'on attend. Il est une voix qui crie dans le désert. Il prend de la distance par rapport à tous ces personnages que les chefs religieux en Israël aimeraient bien. Qu'il ressemble, comme ça il serait un peu à l'aise. Bon, c'est le nouveau Élie, on connaissait déjà l'ancien, voilà, ça va, on est rassuré. Jean dit, non, je ne suis pas lui. Mais alors, es-tu le Messie ? Non, je ne suis pas lui. Es-tu un autre prophète ? Non, je ne suis pas eux. Je suis simplement une voix qui crie dans le désert, et puis il dit, mais n'oubliez pas que celui qui est déjà au milieu de nous, et c'est du Christ qu'il parle, il se tient là au milieu de nous, il est là, mais vous ne le connaissez pas. C'est-à-dire que dans toute notre vie chrétienne, nous aurons à rester ouverts, à nous poser des questions. Et la foi n'est pas là pour nous endormir, nous rassurer à bon marché, mais pour nous faire marcher, pour nous faire découvrir des personnes, des paroles que nous ne connaissons pas. Avec les textes donc d'aujourd'hui. Le Nazaréen est là pour nous surprendre. Ce Jésus veut faire de nous des hommes et des femmes conduits par une étoile, des humains en recherche, en marche. Voici ce que nous pouvons nous souhaiter au début d'une année, au début d'un nouveau mois, soit en recherche. Soit un chercheur, soit un curieux. Mais évidemment, on part d'une affirmation qui nous rassure. La lumière va briller. La lumière brille sur toi. Tu peux briller de mille feux grâce à l'Éternel. Dieu te voit comme cela. Dieu ne te voit pas médiocre, pécheur, toujours en train de se surveiller de peur que Dieu dit, tu es lumineux, tu es radieux, je te fais comme ça. Mais ne sois pas rassuré par cela, continue à chercher, continue à marcher, continue à me découvrir comme tu n'as pas
comme tu ne m'as pas encore découvert. Et c'est ici que je vais plutôt m'arrêter pendant les dernières minutes qui nous restent sur cette phrase. Qui est ce Christ que Jean Baptiste ne va pas dévoiler? Il ne va pas l'endoctriner. Il ne va pas le mettre dans un dogme. Il va tout simplement lui dire, il est là, il est déjà là. Vous cherchez peut-être l'extraordinaire. Vous cherchez le Messie. Mais pour vous, dans votre tête, le Messie, c'est celui qui vient d'ailleurs. C'est celui qui vient de loin. C'est le sacré. C'est celui qui va imposer sa pensée. C'est celui qui est fort. C'est le Tout-Puissant. Eh bien non. Quand Jean dit cela, ben, c'est souvent des textes de Noël. Hein? Jean-Baptiste, c'est une figure souvent de Noël. Eh bien, qui se prolonge tout simplement par dire « vous le cherchez grand, vous le cherchez glorieux, vous le cherchez tout-puissant », eh bien, il est là, dans une auberge surchargée. Il est là déjà, au milieu de vous. Mais qui est-il? Des théologiens méditant sur ce texte, « Il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas » disent que c'est un Dieu laïque. Dieu est laïque, dans le sens de laos, dans le sens de peuple, de populaire. Dieu est du peuple. Dieu est dans le peuple. Vous savez, ça va révolutionner toute la manière de regarder le Christ et de regarder Dieu. Dieu n'est pas là-haut, loin de vous, loin de vos préoccupations. Il n'est pas dans l'infini. Non, il est là. Il est là déjà au milieu de vous et au milieu d'une auberge surchargée. Il est là vraiment, au plus profond de ce que vous vivez. Même lorsque vous vous croyez perdu, vous vous sentez perdu, pas bien. Dieu est là. Il ne faut pas le chercher au loin. Il ne faut pas le chercher au-delà de la mer, comme dira l'Ancien Testament repris par saint Paul. Il n'est pas au-delà. Il est là, près de vous. Vous vous croyez perdu. Vous croyez que votre prière n'est pas entendue parce qu'elle doit retentir dans un lieu trois fois saint et vous ne l'êtes pas. Et donc vous dites, mais je ne suis pas écouté. Il est là près de vous, il est là en vous. C'est ça que ces théologiens appellent le Dieu laïque. Cela signifie que le sacré, le sacré tel que les théologiens dans le passé, tel que les religions, surtout du christianisme, ont mis Dieu, ce sacré, cette splendeur inatteignable, ce sacré se déplace. Il devient universel, il est dans l'univers, il est dans le profane, dans ce qu'on va appeler le profane, c'est-à-dire ce qui est mauvais, ce qui n'atteint pas Dieu, hein, ce qui est au-delà de notre portée. Non, le sacré se déplace et il vient vivre avec nous. Il vient vivre dans l'univers. Il vient vivre même dans le profane, de ce que nous appelons le profane. Le profane devient sacré, l'humain devient divin. L'éphémère gagne l'épaisseur de l'éternel. Et tout cela est déjà inscrit dans le lieu de naissance du Nazaréen. Il ne naît pas à Jérusalem. Il naît à Bethléem. Il sera un exilé au tout début de sa vie. Il va devoir fuir la persécution, aller habiter dans un autre pays, l'Égypte. Et lorsqu'il reviendra, non, il n'ira pas à Jérusalem,
il n'ira pas vers ceux qui pensent la religion, il sera charpentier à Nazareth. Et lorsqu'au début de son ministère, il va se retrouver dans cette synagogue de Nazareth et qu'on va lui donner la lecture, cette fameuse lecture qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle, la guérison à ceux qui souffrent et la libération à ceux qui sont emprisonnés. » Dans cette synagogue, et qu'il va dire après, ben voilà, maintenant c'est parti, c'est lancé, ben dans la synagogue, les gens ont dit, mais n'est-ce pas le charpentier, qu'est-ce qu'il lui prend? C'est ce Dieu qui vit l'incognito, ce Dieu qui vient, et on ne pensait pas qu'il était là, mais il est là. C'est beau, hein, comme histoire, c'est notre histoire. C'est l'histoire de la bonne nouvelle. C'est ça l'histoire de la bonne nouvelle. C'est ça qu'est les bonnes nouvelles. C'est parce qu'on est surpris. Et on est surpris agréablement. Et avec ce Seigneur, avec ce Messie-là, que nous ne connaissons pas, que nous sommes appelés à vivre tous les jours, à chercher tous les jours, et à être étonnés de ce qu'on va encore découvrir, eh bien, il y a une bonne nouvelle parce qu'elle nous attire toujours vers le haut. C'est pas pour nous frapper, c'est pas pour nous blesser, mais c'est pour nous guérir et nous élever qu'il nous demande de vivre cela. Mais le résultat de ça, c'est ben oui, il n'y a plus de lieu saint sur la terre. Il n'y a plus de lieu à part où on va chercher Dieu parce que forcément, il est là. Non, il est dans les bas-fonds. Non, il est là où on ne l'attend pas. La prière d'un chrétien n'est pas meilleure que celle d'un non-chrétien. La prière d'un chrétien n'est pas meilleure si elle est dite à Jérusalem ou à Capernaum. La prière, toute simple, n'est pas mieux entendue par Dieu si elle est dite par un prêtre ou par une prostituée. Dieu est là. Et c'est là que nous trouvons notre assurance. C'est là que nous pouvons être sûrs de quelque chose dans la foi. Nous ne pouvons pas être sûrs d'être épargnés de la maladie. Nous ne pouvons pas être sûrs d'être épargnés de des épreuves. Ça, non. Mais en tant que chrétien, ça, on le sait. Que même dans les épreuves et au moment de la mort, il est là. Dans la tombe, il est là. Au-delà de notre regard, de notre compréhension, il est là. Et il nous sera favorable. C'est déjà Job hein, qui dit ça. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je viens de vivre et il vient de traverser une épreuve terrible où il a été dépouillé même de sa chair. Où il a tout perdu. Et puis, il donne cette pensée extraordinaire. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'au dernier jour, je le verrai. Est-ce dans ma chair, est-ce hors de ma chair? Comment? Je ne le sais pas. On ne le sait pas. Mais je le verrai. Et, ajoute-t-il, il me sera favorable. Pour lui, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. On ne peut pas voir Dieu être rejeté. On ne peut pas voir ce Dieu-là, comme Jésus nous a appris à le voir à travers sa personne et son ministère, et penser qu'on serait rejeté. On va être délivré quand on le verra. Et c'est ce Dieu qui est universel, qui aime l'être humain profondément, qui est là pour nous conduire dans cette nouvelle étape de vie qui est la nôtre en ce début de février, en ce début 2022. On commence toujours quelque chose, ça peut être le début du jour, d'un jour, d'une heure.
Il est au milieu de vous. Il se tient au milieu de vous, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Attention donc de réduire Dieu à quelques manifestations. Souvenez-vous, Jean-Baptiste, dans notre texte, l'interrogatoire qu'il subit, « Es-tu comme un tel ? Es-tu comme un tel ?» Non. Donc être chrétien, il y a mille et une manières d'être chrétien et chrétienne. Nous ne sommes pas obligés de ressembler à tel ou tel ou tel. Merci Seigneur pour tous ces tels et tels et tels. Ils sont importants, mais je ne suis pas obligé de lui ressembler. Je peux être moi-même. Et c'est à partir de moi-même que Dieu m'encourage et me pousse toujours plus haut. Donc je disais qu'il n'est pas limité à des gestes, il n'est pas limité à des manifestations. Nous avons les sacrements, nous avons parfois la Sainte Cène, nous avons le baptême. Et puis, vous savez, nous avons la parole, nous les protestants. Ça, c'est capital. Hein? Nous avons la parole, nous avons la prédication. Nous avons des manifestations qui nous disent quelque chose sur Dieu. Et on peut dire, ah oui, Dieu était là. Mais attention, il est plus grand que tout ça. Lui, Dieu, n'a pas besoin de tout ça. Il peut. C'est important pour nous. Il faut continuer à faire, mais il ne faut pas limiter Dieu à ses manifestations. Il y a un proverbe chinois qui dit « Quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. » Le doigt, le baptême, la Sainte Cène, ma compréhension de l'Écriture, c'est le doigt. Le doigt montre quelque chose, mais il montre le Christ, il montre l'astre radieux. Et c'est l'astre qu'il faut regarder, qu'il faut rechercher, continuer à rechercher. Il y a dans les signes qu'on appelle des miracles, les signes de l'Évangile, il y a un certain nombre de miracles qui nous font travailler cela. Lorsque c'est pas le doigt qu'il faut regarder, mais c'est l'astre. Et notamment, ce fameux texte que nous trouvons dans Jean 5, dans l'évangile de Jean, chapitre 5, de cet infirme qui attend à la piscine de Bethsaida. Il attend qu'un ange vienne de temps en temps remuer l'eau, et le premier qui se jette, il est guéri. Ça, c'est une manifestation. On peut dire, ah oui, quand l'ange agite, hop, Dieu est là. Vous pouvez prolonger cette pensée avec vos propres manifestations. J'ai mes propres manifestations que j'aime bien aussi et qui me rassurent. Donc ça, c'est normal. Et qu'est-ce que fait Jésus ? Jésus dit, mais est-ce que tu veux être guéri ? Ben oui, mais je n'ai personne pour me jeter. Donc pour lui, Dieu, c'est vraiment ça. L'ange qui descend, et il est là, il attend. Et qu'est-ce que Jésus va faire ? Ben, il va braver ça. Il ne va même pas le jeter dans l'eau. Il va lui dire, ben, lève-toi. Ne t'arrête pas à une manifestation. Ne t'arrête pas à ce que tu sais de Dieu jusqu'à présent. C'est bien. Tu sais quelque chose. Tu suis le doigt. Mais moi qui suis là, Dieu, je n'ai pas besoin de tout cela pour te guérir. Je n'ai pas besoin de tout ça pour te mettre debout. Lève-toi et marche. En conclusion, je dirais ceci, l'essentiel est là au milieu de nous, en nous, et non pas dans le ciel ou encore au-delà de la mer. Pensons bien que Dieu est là dans nos vies de tous les jours,
où que vous habitiez, quelle que soit la réalité de votre vie, de votre corps, de votre esprit, de votre psychisme actuellement, Dieu est là. Personne ne peut jamais dire « je suis privé de Dieu » ou « je suis rejeté par Dieu ». Ça, ça n'existe pas. Ça, c'est de la légende. C'est un fonds de commerce du religieux quand il est mal vécu. Deuxièmement, cette présence ne s'installe pas, jamais. Elle se déplace, car elle se tient dans le sens qu'elle campe au milieu de nous. Souvenez-vous comment Jean, dans son prologue, dit « la parole a planté sa tente parmi nous ». C'est une tente. Dieu n'habite pas des maisons faites de mains d'homme. Il habite une tente, c'est-à-dire que c'est un nomade. Il voyage. Il ne s'arrête pas. Souvenez-vous, les Hébreux, à travers le désert du Sinaï qu'ils ont traversé, Dieu était le jour dans la nuée et dans la colonne de feu la nuit. Oui, Dieu était présent même aux pires instants de l'histoire de son peuple. Il était présent. Quand Ève met au monde son premier fils, le divorce, la rupture avec Dieu est consumée, mais qu'est-ce qu'elle dit ? J'ai mis au monde un fils avec l'aide de l'Éternel. Dès le départ de la Bible, même si on ne reste pas en Éden, même si on ne reste pas dans cet endroit rêvé de communion avec Dieu, qu'on y est précipité dehors, Dieu reste quand même là. Il sort avec l'être humain. Le Dieu de la Bible est beaucoup plus que le Dieu de la nature. Il est beaucoup plus que le Dieu qui est la créateur tout-puissant, presque inaccessible. Ce serait déjà pas mal, il y aurait déjà un Dieu. Mais il est plus que tout cela. Il est celui qui chemine avec nous dans nos bons comme dans nos mauvais moments. Il tabernacle au milieu de nous. Et c'est un tabernacle pas en dur, mais un tabernacle qu'on replie et puis on va plus loin. Et troisièmement, il y a un paradoxe qui est important et capital. Cela signifie qu'il n'y a jamais de mainmise sur Dieu. Il ne peut jamais y avoir de mainmise sur Dieu. Un être humain, un groupe religieux, peu importe son nom, ne peut jamais dire « Dieu, nous l'avons. Il n'est qu'à nous. » Rien ne peut confisquer Dieu, personne ne peut confisquer Dieu à l'univers, à l'universel, à l'être humain, aucune église, aucune théologie, aucune approche, aucune lecture biblique ne peut le faire. Dieu est libre et il est libre et il n'y a pas de mainmise sur lui. Au milieu de nous, se tient celui que vous ne connaissez pas, que vous apprendrez à connaître, et à la fin de votre périple terrestre, il restera toujours quelqu'un à découvrir. Nous voilà invités à nous tenir, frères et sœurs, comme Jean-Baptiste, sur le seuil de l'Évangile, à la toute première page, posant un regard neuf sur la Bible et sur Dieu et sur son oin, le Messie. Quoi de plus beau que de se tenir comme un nouveau-né, toujours un nouveau-né, à chaque commencement du jour, à chaque commencement d'une année, à chaque commencement d'un mois ou d'une étape, nous tenir comme un nouveau-né sur le seuil de l'Évangile, à nous laisser encore et encore émerveillés par ce que nous n'avons pas vu.
Cela nous évitera le dogmatisme, le légalisme qui nous guettent si facilement avec leur cortège d'habitudes, de supériorité et d'orgueil spirituel. Non, nous ne pouvons pas enfermer Dieu. Il n'est pas enfermable. Il est libre comme nous, parce que nous sommes créés à son image. Mais nous ne sommes pas libres pour faire n'importe quoi. Nous sommes libres pour aimer et faire le bien et apporter de l'amour les uns aux autres. C'est comme ça que Jésus utilise sa liberté pour faire un miracle le jour du sabbat, par exemple. Pour délivrer un démoniaque dans la synagogue même. Un autre exemple. Il est libre, pourvu que l'être humain ressuscite, pourvu que l'être humain soit bien, pourvu que l'être humain soit guéri. Jérusalem brille de mille feux et n'oublie jamais, toi chrétien, chrétienne, Jérusalem, n'oublie jamais que tu es digne et que si tu mettais la somme de tous tes péchés, eh bien Dieu t'aime deux fois plus fort que tout cela. Consolez mon peuple, dit Ésaïe. La grâce de Dieu a été manifestée pour tous les hommes, est-il dit dans l'Épître à Tite. Et puis Jean-Baptiste, de nous entraîner derrière lui à la découverte de cet évangile et de ce Jésus, toujours nouveau. Alors, bonne semaine, que le Seigneur vous accompagne et soyez heureux, lumineux et curieux. Amen. C'est bien, j'ai des souffleurs dans la salle. Je nous invite à un premier pas à la suite du Christ en nous tournant vers lui par ce dernier chant. Je lève les yeux vers les montagnes. Dernière prière. Seigneur, nous te remettons les différentes activités de notre communauté. Nous te remettons chacune et chacun qui la compose, en pensant particulièrement à celles et ceux qui traversent la maladie ou quelque souffrance que ce soit. Nous désirons également te remettre les enfants, les jeunes, qui doivent faire face à l'actualité toujours plus stressante. Fortifie-les et donne-leur la paix et la patience. Nous te remercions pour tes bienfaits, pour tous les dons que tu dispenses et que nous pouvons partager ensemble. Merci pour toutes les personnes que tu appelles et qui s'engagent au service de la communauté. Nous te remettons aussi notre offrande, manifestation que le Christ est le Seigneur de nos vies et de nos biens. Et enfin, nous te remettons cette semaine qui démarre sous ton regard,
que ton amour nous entoure, que ta force nous soutienne et que ta paix emplisse nos cœurs. Amen. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Dieu nous envoie dans le monde pour être ses témoins, pour transmettre son espérance et pour pratiquer son amour. Que notre recherche de ce royaume de Dieu soit sereine, active et joyeuse. C'est possible, car Dieu est proche de chacun de nous. Il nous donne sa paix, sa joie et la chaleur de son amour. Il nous bénit avec tous ceux qui le cherchent. Amen. Bonne semaine à chacun et chacune.